Welcome everybody, welcome iedereen, bienvenue tout le monde. It's going to be a bit of an adventure, ça va être une aventure. Het gaat een avontuur zijn in three languages, dans trois langages, in drie talen. Which I think is amazing. Ik denk dat het eigenlijk geweldig is, maar je pense que c'est génial. Omdat we gaan clearer, we're gonna clear. On va déblayer. And something you can really understand the words. Il y aura une partie où tu peux vraiment comprendre les mots. Un deel zal zijn waar je het kan verstaan. And then there will be parts where you'll have to receive. Et il y aura des parties où tu devras recevoir. Dus er zullen ook delen zijn waar je zal moeten ontvangen. And so we're going to start clearing those energetic layers around money as well. Donc on va commencer à aussi déblayer ces couches énergétiques autour de l'argent. Waar we ook de energetische lagen rondom geld gaan clearen. I will also every day write the clearings in the chat. Donc tous les jours, tu auras le déblayage dans le chat. Elke dag zal je de clearings ook in de chat hebben. So you can say them along. Tu peux le dire avec nous. Je kan ze zeggen met ons. But you can also just lay back and receive. Mais tu peux aussi juste coucher en recevoir. Je kan ook liggen en ontvangen. So, let's start with a question. What are the definitions that you have about you in regards to money? Donc, quelles sont les définitions que toi tu as à propos de toi en relation avec l'argent? Welke definities heb jij over jou in verband met geld? And I'm going to write this also in the group. Je vais marquer ça aussi dans le groupe. Je vais ook in de groep zetten, because I would really like you to look at that today. Parce que j'aimerais vraiment que tu vas regarder ça aujourd'hui. Ik hebben dat je daarna gaat kijken. Oh, what definitions do I have about me in regards to money? Quelle définition est-ce que j'ai à propos de moi en relation avec l'argent? Right, wrong, or bad, bottle, nine shirts, boys and beyonds. Money is never the issue. L'argent n'est jamais le problème. Geld is nooit het probleem. It's what we choose or not choose. C'est ce que nous on choisit ou pas choisit. Wat wij kiezen of niet kiezen. So for example, if you look at language, par exemple, quand on regarde le langage, bijvoorbeeld als we naar talen kijken, what have you decided about languages in you? Qu'est-ce que vous avez décidé à propos des langages et vous? Wat heb je besloten over jou en talen? That keeps you from being the wizard, qui te tient d'être le magicien, wat je weghoudt van de magier te zijn, that would understand all energy. Qui comprend toute énergie, die alle énergie begrijpt. Right, wrong, or bad, bottle, nine shirts, boys and beyonds. So, a second thing I'm going to ask you is, what would you like to create during those 30 days? Qu'est-ce que tu aimerais créer pendant ces 31 jours? Wat zou je graag creëren gedurende deze 31 dagen? Right, wrong, or bad, bottle, nine shirts, boys and beyonds. So let me write that down too. And you can start making a list. Tu peux commencer à faire une liste. Je kan een lijst beginnen maken met alle dingen waar je om vraagt. Avec toutes les choses que tu demandes. Dus de lijst met alle dingen die je vraagt. Now, sometimes there will be things that will bring up points of views when you ask them. Peut-être que les choses que tu demandes auront des points de vue qui remontent. Dus misschien als je dingen opschrijft waar je om vraagt, zullen er ook standpunten omhoog komen. How many of you, you start asking for things and then all these little voices come up like, oh, I think it's too expensive, or oh, it's going to take a long time, or I'm not sure if I can do this. Et combien d'entre vous commencez à demander des choses et après il y a ces voix qui remontent où tu te dis, ah, je pense que c'est trop cher ou je sais pas si je vais pouvoir le faire. Ou peut-être ça va prendre longtemps. So all these voices, toutes ces voix, alle stemmen
in je hoofd die zeggen, oh, ik weet niet of ik het wel ga kunnen. Oh, dat is te duur. Oh, dat gaat lang duren. Can we destroy and create that? Right, wrong, good, bad, but what all nature is, boys and girls. So what would you like to create coming month? For your life, for your body, for you. Qu'est-ce que toi, tu aimerais créer dans ta vie, pour ton corps, pour toi? Dus wat zou jij willen creëren? In je leven, voor je lichaam en voor jou. And everywhere you've been answering those questions, partout vous avez cherché à répondre ces questions, overal waar je gezocht hebt om deze vragen te beantwoorden, what if you'd also start to allow the space those questions create when you ask them? Quoi si tu commences à permettre l'espace que ces questions créent quand tu les poses? Dus wat als je de ruimte gaat toelaten die deze vragen creëren? Het is een stem. Right, Bapoporon, Nature's Poison. So start, let's start with the first clearing. On va commencer avec le premier déblayage. I'm going to put it in the chat. Je vais le mettre dans le chat. In the chat. So, the first clearing is, what must I perceive, know, be, and receive that I refuse, they're not, must never, and must also perceive, know, be, and receive that would allow me total clarity and ease with money? Donc, que puis-je percevoir, savoir, être et recevoir que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais et dois aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui me permettrait l'aisance et la clarté totale avec l'argent? Dus wat kan ik waarnemen, weten, zijn en ontvangen dat ik weiger, niet durf, nooit moet en ook moet waarnemen, weten, zijn en ontvangen wat me zou toelaten om totaal gemak en helderheid te hebben met geld? So what I'm going to do is like 30 times go through the clearings in the three languages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers ces déblayages 30 fois, mais dans trois langages. Dus wat we gaan doen, is dat we door deze clearings gaan, in drie talen, 30 keer. So either you take the English one and you can repeat it with me, even when I'm doing the other languages. Donc, ce que tu veux faire, c'est que tu prends le français et que tu continues à le répéter pendant que moi-même, je fais le français et le néerlandais. Or you can just listen and receive the energy. Où tu peux recevoir l'énergie, if you can hold the energy. Yes? So the second time, what must I perceive, know, be, and receive? That I refuse, dare not, must never, and must also perceive, know, be, and receive that would allow me total clarity and ease with money. Que puis-je percevoir, savoir, être et recevoir que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais, et dois aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui me permettrait l'aisance et la clarté totale avec l'argent? Dus wat kan ik waarnemen, weten, zijn en ontvangen? Dat ik weiger, niet durf, nooit moet en ook moet waarnemen, weten, zijn en ontvangen wat me zou toelaten om totaal gemak en helderheid te hebben met geld. Number three, what must I perceive, know, be and receive? That I refuse, dare not, must never and must also perceive, know, be and receive that would allow me total clarity and ease with money. Donc, que puis-je percevoir, savoir, être et recevoir que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais. Aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui me permettrait l'aisance et la clarté totale avec l'argent. Wat kan ik waarnemen, weten, zijn en ontvangen dat ik weiger, niet durf, nooit moet, ook moet waarnemen, weten, zijn en ontvangen wat me zou toelaten om totaal gemak en helderheid te hebben met geld. What must I perceive, know, be and receive that I refuse, there also perceive, know, be and receive that would allow with money. Savoir être et recevoir que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais et dois aussi percevoir, savoir être et recevoir qui me permettrait l'aisance et la clarté totale avec l'argent. Dus wat kan ik waarnemen, weten, zijn en ontvangen dat ik weiger, niet durf, nooit moet en ook moet waarnemen, weten, zijn en ontvangen wat me zou toelaten om totaal gemak en helderheid te hebben met geld. And we're halfway after this one for the first clearing. On est demi-tour avec ce déblayage après celui-là. What must I perceive, know, be, and receive that I refuse, dare not, must never, and must also perceive, know, be, and receive that would allow me total clarity and ease with money?
Donc, que puis-je percevoir, savoir, être et recevoir que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais, et dois aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui me permettrait l'aisance et la clarté totale de l'agent. En wat kan ik waarnemen, weten, zijn en ontvangen dat ik weiger, niet durf, moeten ook moet waarnemen, weten, zijn en ontvangen wat me zou toelaten om totaal gemak en helderheid te hebben. Right, wrong, good, bad, bottle, name, truth, boys and beyond. So maybe a lot of things will come up energetically, maybe words. Peut-être qu'il y a plein de choses qui vont remonter énergétique. Des mots peut-être. Like maybe you'll feel stuff going on in your body or your head. Peut-être que tu vas sentir des choses qui se passent ou changent dans ta tête, dans ton corps. Misschien zal je ook waarnemen dat er dingen in je hoofd veranderen of in je lichaam. For the moment, I feel a lot of things going on in my brain. Pour le moment, par exemple, moi, je sens beaucoup de choses qui se passent dans mon cerveau. Voor veel dingen gaande in mijn brein. Because how many programming do we have? Combien de programmation is qu'on a? Hoeveel programma's hebben we die ons leven runnen? That run our lives. Qui gère notre vie. So all the programs that you've been taking on, that you've been creating, that you've been buying into, maybe cultural, maybe from the family, maybe from relationships, maybe from friends, maybe from religion, maybe, like, you know, there are so many points of views often. Can we destroy and uncreate that? Right, wrong, good, bad, pour pas dans nature, it's boys and beyonds. Donc, toutes les programmations que tu as pris, peut-être de ton pays, peut-être ta culture, religion, famille, relations, copains. Est-ce qu'on peut les détruire et les créer? Right, wrong, bad, purple, nature, poison, mieux. Dus alle programma's die je over hebt genomen van je familie, van je cultuur, van het land, van de mensen om je heen, kunnen we die vernietigen en creëren? Right, wrong, bad, purple, nature, poison, mieux. Wow. Wow. So what must I perceive, know, be and receive that I refuse, dare not, must never and must also perceive, know, be and receive that would allow me total clarity and ease with money. Que puis-je percevoir, savoir, être et recevoir que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais, et dois aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui me permettrait l'aisance et la clarté totale avec l'argent? Wat kan ik waarnemen, weten, zijn en ontvangen dat ik weiger, niet durf, nooit moet en ook moet waarnemen, weten, zijn en ontvangen wat me totaal zou toelaten om totaal gemak en helderheid te hebben met geld? So what must I perceive, know, be and receive? That I refuse, dare not, must never, and must also perceive, know, be, and receive, that would allow me to have total clarity and ease with money. Donc, que puis-je percevoir, savoir, être et recevoir, que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais, et dois aussi percevoir, savoir, être et recevoir, qui me permettrait l'aisance et la clarté avec l'argent. Wat kan ik waarnemen, weten, zijn en ontvangen, dat ik weiger, niet durf, nooit moet en ook moet waarnemen, weten, zijn en ontvangen wat me zou toelaten om totaal gemak en helderheid te hebben met geld. Now, do you see with those clearings that it's not about what must I do? Est-ce que vous percevez que dans ce déblayage, c'est pas à propos de qu'est-ce que je dois faire, dat het niet gaat over wat moet ik doen, no, it's about, okay, so what must I also be? C'est à propos de, okay, qu'est-ce que je dois aussi être? Wat moet ik ook zijn? Not because what you are is wrong, pas parce que ce que tu es, c'est pas bien. Ni omdat je wat je bent niet goed is, but because you have been maybe limiting everything you are. Parce que peut-être tu as limité tout ce que tu es. Misschien omdat je gelimiteerd hebt wat je bent. How do you limit yourself? Comment est-ce que tu te limites? Hoe beperk je jezelf? Through the judgments, points of views, conclusions that you make about yourself. Avec les points de vue, les jugements, les conclusions que tu fais à propos de toi ou que tu as à propos de toi. Dus zo beperk je jezelf door de conclusies, door de oordelen en de standpunten die je hebt over jou. So what point of views do you have about you? Quel point de vue est-ce que tu as à propos de toi? Welke standpunten heb jij over jou? Right, wrong, or bad, purple, nature, boys and beyonds. Now, if none of those were real or true or good or bad, you were just willing to start listening to the points of views that you have about you. And every time you hear one, you'd go like, oh, that's interesting. I have a point of view about me. What new spaces could start showing up beyond that point of view?
Donc, si tu serais prêt à commencer à écouter tous les points de vue que tu as à propos de toi, et chaque fois que tu entends, que tu te dis, ah, je suis, ou je peux pas, ou je peux. Ah, ça c'est intéressant, hein? Quels nouveaux espaces pourraient se montrer au-delà de cette définition? Als je bereid zou zijn om te luisteren naar alle standpunten die je hebt over jou. En elke keer als je er weer in hoort, je zou. Wow, interessant dat ik dat standpunt heb over mij. Welke nieuwe ruimtes zouden zich dan voorbij dat standpunt kunnen openen? So, when you want more in life, probably you also have to be willing to perceive more, to know more, and to receive more. Donc, si tu veux plus d'argent dans ta vie, tu devras aussi être prêt à percevoir plus, à savoir plus. En ja, recevoir plus. Als je meer geld wilt, zou je bereid moeten zijn om meer waar te nemen, meer te weten en meer te ontvangen. Now, knowing is not you need to become smarter. Savoir, c'est pas que tu dois devenir plus malin. Weten is niet dat je slimmer moet worden. But what smartness have you been avoiding? What knowing have you been avoiding? Donc, quel savoir est-ce que tu as évité? Welk weten heb je geweigerd? Right, wrong, or back, but all nine shorts, boys and beyonds. Maybe because no one else was willing to know that. Peut-être parce que personne d'autre était prêt à savoir ça. Misschien omdat niemand anders wel willend was om dat te weten. So, we got three more cycles to go. Encore trois cycles. Nog drie cyclussen. What must I perceive, know, be and receive that I refuse, dare not, must never, and must also perceive, know, be, and receive. That would allow me total clarity and ease with money. Donc, que puis-je percevoir, savoir, être et recevoir que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais, et dois aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui me permettrait l'aisance et la clarté totale avec l'argent. Waarnemen, weten, zijn en ontvangen dat ik weiger, niet durf, nooit moet en ook moet waarnemen, weten, zijn en ontvangen, wat me zou toelaten om totaal gemak en helderheid te hebben met geld. So what must I also perceive, know, be and receive that I refuse, that I dare not, that I must never and that I also must perceive, know, be and receive that would allow me total clarity and ease with money. Donc, que puis-je percevoir, savoir, être et recevoir que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais et dois aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui me permettrait l'aisance et la clarté totale avec l'argent? Wat kan ik waarnemen, weten, zijn en ontvangen dat ik weiger, niet durf, nooit moet en ook moet waarnemen, weten, zijn en ontvangen wat me, wat me zou toelaten om totaal gemak en helderheid te hebben met geld? And now we do the 30th one, the 30th, the 30th. What must I perceive, know, be, and receive that I refuse, dare not, must never, and must also perceive, know, be, and receive that would allow me total clarity and ease with money? Donc, que puis-je percevoir, savoir, être et recevoir que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais, et dois aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui me permettrait l'aisance et la clarté totale avec l'argent? Wat kan ik waarnemen, weten, zijn en ontvangen dat ik weiger, niet durf, nooit moet en ook moet waarnemen, weten, zijn en ontvangen wat me zou toelaten om totaal gemak en helderheid te hebben met geld? Right, wrong, or back, but all nature's boys and beyonds. Okay, how is everybody? Comment vous allez? Oh, Léonie was waiting in the Facebook group. Hello, honey. Coucou, Léonie. Comment est-ce que vous allez? Hoe gaan jullie? Thumbs up, il y a des pouces qui viennent. Yes, some smiles, il y a des sourires. Cool. Yeah, and sometimes there's like, Edith is going like that. Do you want to ask a question? Edith va un peu comme ça. Est-ce que tu veux poser une question? Wil je une vraag stellen, Edith? Super joyeuse. Edith has a, like, would you like to ask a question, Edith? Ik ben niet Edith, maar ik heb wel een vraag. Oh. Maakt niet uit, ben Karin. Sorry. Oh my god. Sorry. Karin, ik doe ook zo. Misschien Edith ook, maar die zie ik niet. Ja, ik merk dat het contractie geeft. Dus ik ben me al groot aan het maken, maar de hele rechterkant van mijn lijf doet... Cool. Moi, je remarque que ça apporte la contraction dans le côté droit de mon corps. I noticed that it brings like contraction in the right part of my body. Is this... And I'm just like, so expand out, expand there. Yes.
Is that an energy you know with money? Est-ce que c'est une énergie que tu connais avec l'argent? Is that an energy die je ken de geld? Yes! How awesome! Combien est-ce que c'est génial? So everywhere you try to put that away now, partout tu essaies de le faire disparaître, overal waar je probeert om dat te doen verdwijnen, yes. Are you willing to be present with this energy now? Okay. Ben je bereid om met deze energie aanwezig te zijn? Est-ce que tu es prêt à être présent avec cette énergie? Ja. Yeah. When you start clearing, quand tu commences à déblayer, wanneer je begint te clearen, energies that you have been functioning off, in this case with money, will start showing up. Probably even more present. Donc des énergies avec laquelle tu as fonctionné avec l'argent commenceront à se montrer. Probablement même plus présent. Dus van waaruit je gefunctioneerd hebt met geld, zal waarschijnlijk als je begint te clearen naar boven komen. Yes. Mm-hmm. Nu, wat als je kan gaan vragen, what if you can start asking, quoi si tu peux commencer à demander, oké, who does this belong to? À qui ça appartient? Van wie is dit? Yours, someone, or something else? Est-ce que c'est à toi, quelqu'un, ou quelque chose d'autre? C'est van jou, ou van iemand? Someone else. Good, yes. Right, wrong, or back, what on I just business. Donc, quelqu'un d'autre. So, how many thoughts, feelings, and emotions, contractions, judgments, have you been perceiving in other people's universes around money from the day you were born? And everywhere you made that the way in your reality to be with money, can we destroy and create that? Right, wrong, or bad, pourquoi on a choisi ces millions? Yes. Donc, combien de sentiments, émotions, pensées, conclusions, jugements est-ce que tu as perçu dans les univers d'autres personnes du moment que tu es né à propos de l'argent que tu as rendu à toi? Est-ce que tu veux maintenant détruire et décréer? Tu es là, right, wrong, or bad, pourquoi on a choisi ces millions? Hoeveel gedachten, gevoels en emoties, standpunten, oordelen heb je waargenomen in andere mensen, in het universum van het moment dat je geboren bent over geld? En overal waar je die van jou hebt gemaakt, is het nu tijd om die te beginnen vernietigen en te creëren. Right, wronger, bapok, bottle, nature, it's boys and beyond. Yes. Ja. Cool. Who is that? How is that? Come on, Sessa. Iets lichter. Nou, maar als ik me afvraag hoe het is, dan wordt het weer... meer. Ja. Dan ga ik er naar terug. Oh, het is weer. Ja. Awesome! Donc, je lui demande comment est-ce que c'est. Elle dit, waouh, en fait, c'est plus léger, mais dès le moment que je le demande, la pose la question, je, c'est comme si je le re... Yeah, so, I ask her, how is it? And she's like, well, it's actually lighter, but the moment you ask, it's like as if I kind of, like, get it back. So, what do you want? When you ask, how is it? You're going to start looking for what's energetically... Donc, voici pendant ces 31 jours, quand tu te poses la question comment est-ce que c'est, tu vas commencer à voir ce qui se passe énergétiquement. Dus wat als je voor deze 31 dagen, als je jezelf afvraagt hoe is het, je energetisch gaat beginnen kijken wat er gaande is. So you're not necessarily going to look at your bank accounts at first. Tu vas pas nécessairement regarder tes comptes en banque en premier. Je gaat niet meteen naar je bankrekening kijken als eerste. Check the energy first. Check the energy first. Regarde l'énergie d'abord. Because how many things have you been changing already? Combien de choses est-ce que tu as changé déjà? Hoeveel dingen heb je al veranderd? But then the... How it actually shows up, it's different than what you thought it would. Mais comment ça se montre, c'est différent que tu pensais? Who it verschijnt is anders. And so you start destroying what you have been choosing and creating. Et donc, tu dois commencer à détruire ce que tu as choisi et créé. Je moet beginnen vernietigen wat je hebt gekozen en gecreëerd hebt al. Because it doesn't match what you're expecting. Parce que ça ne matche pas ce que tu attends. Omdat het niet matcht wat je verwacht. Ride, wrong, back, bottle, nature, it's boys and beyonds. Wow. So how much magic have you been destroying? Combien de magie est-ce que vous avez détruit dans votre vie? In your life? Hoeveel magie heb je vernietigd in je leven? Because nobody has actually thought you to, like, how energetically aware you are.
that is actually the only thing that's real and really true for you. Donc, parce que personne t'a montré combien conscient énergétiquement tu es que ça c'est en fait la seule chose qui est vraie et réelle pour toi. Dat niemand je heeft laten zien hoe energetisch gewaar je bent en dat dat eigenlijk het enige wat echt is voor jou. Right, wrong, good, bad, book, bottle, nature, it's poison, beyond. Yes. How are you, Karin? Energy-wise? Comment est-ce que va l'énergie, Karin? Hoe gaat de énergie, Karin? Lichter. Oh, good. And then you can just ask, okay, so what's possible now? Yeah. Et là, tu peux juste demander, okay, qu'est-ce qui est possible maintenant, si c'est plus léger? What is er mogelijk nu? And let it go. Laisse l'aller. Laat het gaan. Yes. Ah. Yep. Good. Awesome. And so, thank you for this example. Merci pour cet exemple. Thank you for this voorbeeld. Because I think you will, like, if you go through something coming weeks, si tu passes à travers quelque chose dans les semaines qui viennent, als je door de iets gaat in de komende weken, listen back to this conversation. Réécoute cette conversation. Luister terug naar deze conversatie. Because it will give you the information you might require to actually look at what is possible. Ça te donnera l'information de voir à ce qui est possible. Yes? Ça zal je de informatie geven over wat er mogelijk is. Voor jullie allemaal. Pour vous tous. For all of you. Right, Wanker Bapa, Quotal Nature's Boys and Beyonds. Yes. So here we have some thingies, super tired, falling asleep, super fatiguée, je m'endors. Are you super tired or more relaxed? Est-ce que tu es très fatiguée ou plus relaxée? Ben je meer slaperig of meer relaxed? Cool. Right, you're on your back, portal, nine choice, boys and beyonds. Cool. So what if you could sleep through this? Voici, tu pourrais dormir à travers ceci. Wat als je erdoorheen zou kunnen slapen? Oh my god, she's smiling. Kyle Rigol. Ze slaapt, ja. Yeah. I'm at work. Good, so it's like Monday morning, right? C'est lundi matin. Ja, yeah, het is maandagochtend. So, where you are people very awake Monday morning? Là où tu es, est-ce que les gens sont très, très, très... yes. Are they in the city where you are? Right, Dranger, Bapok, Portal, Nature, it's Boys and Beyonds. So, how many people in the world at this morning have this thing like, oh, it's Monday morning? Combien de gens dans le monde ont ce truc, oh, c'est lundi matin? Veel mensen in de wereld hebben op dit moment zoiets van, oh, het is maandagochtend. A little or a lot, Monica? Oops. A lot, beaucoup. Yes. So how much are you perceiving them? Combien est-ce que tu les perçois? Right during your backpack, a lot, beaucoup. Yes. Now, how many of you have not been willing to acknowledge how aware you are? Combien d'entre vous n'avez pas été prêt à reconnaître combien conscient vous êtes? Veel van jullie hebben niet willen erkennen hoe gewaar je bent. So you always have to be tired and lose money rather than look at, oh, how could I make money with this? Donc, où tu dois toujours perdre l'argent et être fatigué au lieu d'être en question, wow, comment je pourrais créer l'argent avec ceci? So you have to be tired and moe zijn en geld verliezen in plaats van te kijken, oh, kan ik dit in mijn voordeel gebruiken? Right, wrong, back, portal, nature, sports and beyond. Yes. So everywhere you've been perceiving. Yeah. Can you just make yourself bigger now? Est-ce que vous pouvez vous expanser? So for all of you, expand. Expansez-vous. Vous tous. Just expand there, yeah? Yes. Not to make the tiredness disappear. Pas pour faire disparaître là où tu es fatigué, ce sentiment. But what if it was more like to give a different space for that awareness to also live in and you not to be at the effect of it anymore?
Donc, quoi, si en allant en expansion, c'est juste que toi, tu crées un autre espace pour cette fatigue, pour être dedans, hein, qui crée que tu dois plus être à l'effet de ça. Donc, wat als je daardoor, door die expansie, eigenlijk een andere ruimte gaat creëren, waardoor die moeheid ook nog kan zijn, maar dat je niet meer aan het effect ervan moet zijn. En more, Monica. En more. En plus. En plus. Yes, and now, every one of you, pull energy from the earth. Tous, vous tous, tirez l'énergie de la terre. Dus trek energie van de aarde. Through your body, à travers ton corps, door je lichaam. Through your crown, à travers ta couronne, door je kroon. Yeah, and allow energy to move through your body. Permet l'énergie de bouger à travers ton corps. Yeah, sta énergie toe om door jouw lichaam heen te bewegen. So is that becoming a little lighter, Monica? Est-ce que ça devient un peu plus léger? What's it lichter, Monica? Yeah, no. It doesn't have to. A little bit. Un peu. Ooh, thank you. Expand. Yeah, to not be at the effect anymore. Ouais, expanser pour plus être à l'effet. Yeah, yeah, yeah. That's really it. The more you're in expansion, the more you'll probably start having ease with your awareness. Le plus que tu es en expansion, le plus que tu auras probablement l'aisance avec tout ce que tu perçois. Dus hoe meer je in expansie bent, hoe makkelijker het wordt om met al je gewaarzijn te zijn. I have to pick up delivery. Good, you can move. That's a great thing for your body. I'm gonna move. Bye! Move, move, move. Ah, cool, cool, cool. Also notice that I took a lot, not all points of view from others, to heal them. Yeah, yeah, yeah. Je vois aussi que j'ai pris beaucoup de points de vue pour les guérir. Yeah, well, what if you'd start actually acknowledging that capacity? Quoi si tu commences à reconnaître cette capacité? Dus wat als je die capaciteit begint te erkennen? And you start receiving your capacities. Et tu commences à recevoir tes capacités. Tu begint je capaciteiten te ontvangen. Rise, Ronker, Bapok, Bottle, Nine Shorts, Boys and Beyonds. Cool, cool, cool. Yes. We're gonna go to the second ring. Deuxième déblage. Control. Le contrôle. Controle. I put it in here. So we're going to do this one also 30 times, 10 English, 10 French, 10 Dutch. On va faire aussi 30 fois, 10 anglais, 10 français, 10 en néerlandais. Dus 10 Engelse, 10 Nederlandse, 10 Franse. And you can keep on with your language or just listen to the three languages, okay? Donc toi, tu peux prendre ton langage ou tu peux recevoir les trois langages. What energy, space, consciousness, choice, magic, miracles, mysteries, and possibilities can me and my body be to be out of control, out of definition, out of limitation, out of form, structure, significance, and out of linearity and concentricity for all eternity. Donc en français, quelle énergie, espace, conscience et choix, magique, mystère, miracle et possibilité, est-ce que moi et mon corps peuvent être pour être hors limitation, hors définition, hors contrôle, hors forme, structure et signification, hors linéarité et concentricité pour toute éternité? Monica, that's super speedy! En welke energie, ruimte, bewustzijn, keuze, magie, mysterie, mirakel en mogelijkheden kunnen ik en mijn lichaam zijn? Rollen uit definitie, uit beperking, uit vorm, structuur en significantie, uit lineariteit en concentriciteit te zijn voor alle eeuwigheid. So, the second one, colleague, run there for me. Awesome! That's how we do this. Il y a un collègue qui allait le chercher. So, what energy, space, consciousness, choice, magic, miracles, mysteries and possibilities can you and your body be to be out of control, out of definition, out of limitation, out of form, structure, significance, out of linearity and concentricity for all eternity? Donc, quelle énergie, espace, conscience et choix, magique, miracle, mystère, possibilité, est-ce que moi et mon corps peut être pour être hors contrôle, hors définition, hors limitation, hors forme, structure et signification, hors linearité et concentricité pour toute éternité? En welke energie, ruimte, bewustzijn en keuze kunnen ik, magie, mirakel, mysterie en mogelijkheid
kunnen ik en mijn lichaam zijn om uit controle, uit definitie, uit beperking, uit vorm, structuur en significantie en uit lineariteit en concentriciteit te zijn voor alle eeuwigheid. Oh my god, I love this one. What energy, space, consciousness, choice, magic, miracles, mysteries and possibilities can me and my body be to be out of control, out of definition, out of limitation, out of form, structure, significance, out of linearity and concentricity for all eternity? Quelle énergie, espace, conscience et choix, magique, mystère, miracle et possibilité est-ce que moi et mon corps peuvent être pour être hors contrôle, hors définition, hors limitation, hors forme, structure et signification, hors linéarité et concentricité pour toute éternité? En welke energie, ruimte, bewustzijn en keuze, magie, mysterie, miracle en mogelijkheid kunnen ik en mijn lichaam zijn om uit controle, uit definitie, uit beperking, uit vorm, structuur en significantie, uit lineariteit en concentriciteit te zijn voor alle eeuwigheid? So, what energy, space, consciousness and choice, magic, miracles, mysteries, possibilities can me and my body be to be out of control, out of definition, out of limitation, out of form, structure and significance, out of linearity and out of concentricity for all eternity? Quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce que moi et mon corps peuvent être et miracle, magie, mystère et possibilité pour être hors contrôle, hors définition, hors limitation, hors forme, structure et signification, hors linearité et concentricité pour toute éternité? Dus welke energie, ruimte, bewustzijn en keuze, magie, mysterie, mirakel en mogelijkheden kunnen ik en mijn lichaam zijn om uit controle, uit definitie, uit beperking, uit vorm, structuur en significantie en uit lineariteit en concentriciteit te zijn voor alle eeuwigheid? And so we're halfway after this one. What energy, space, consciousness, choice, magic, miracles, mysteries and possibilities can you and your body be to be out of control? To be out of definition, out of limitation, out of form, structure, significance, out of linearity and out of concentricity for all eternity. Donc, quelle énergie, espace, conscience, choix, magie, miracle, mystère et possibilité est-ce que toi et ton corps peuvent être pour être hors contrôle, hors définition, hors limitation, hors form, structure et signification et hors linearité et concentricité pour toute éternité? Dus welke energie, ruimte, bewustzijn en keuze, magie, mysterie, mirakel en mogelijkheden kunnen jij en je lichaam zijn om uit controle, uit definitie, uit beperking, uit vorm, structuur en significantie, uit lineariteit en concentriciteit te zijn voor alle eeuwigheid? Right, wrong, or bad, portal, nature, boys and beyond. So let's do 15 more. What energy, space, consciousness, choice, magic, miracles, mysteries, possibilities can me and my body be? To be out of control, out of definition, out of limitation, to be out of form, out of structure, significancy, and out of linearity and concentricity for all eternity. Quelle énergie, espace, conscience et choix, magie, mystère, miracle et possibilité est-ce que moi et mon corps peuvent être pour être hors contrôle, hors définition, hors limitation, hors forme, structure et signification, hors linéarité et concentricité pour toute éternité? En welke energie, ruimte, bewustzijn en keuze, magie, mysterie, mirakel en mogelijkheden kunnen jij en je lichaam zijn om uit controle, uit definitie, uit beperking, uit vorm, structuur en significantie en uit lineariteit en concentriciteit te zijn voor alle eeuwigheid? So what energy, what space, what consciousness and what choice can you and your body be? What miracle, magic, mystery, and possibility can you and your body be? To be out of control, to be out of limitation, to be out of definition, to be out of form, structure, and significance, and to be out of the linearity and the concentricity. For all eternity as money. Right, wrong, or bad, portal, nature, it's boys and beyonds. Donc, quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce que toi et ton corps peuvent être? Mais aussi, quelle magie, quel miracle, quel mystère et quelle possibilité est-ce que toi et ton corps peuvent être pour être hors contrôle, pour être hors définition, hors limitation, hors forme, structure et signification, hors linéarité et concentricité pour toute éternité comme l'argent. Welke énergie, welke ruimte, welk bewustzijn en welke keuze kunnen jij in je lichaam zijn, maar ook welke magie, welk mirakel en welk mysterie en mogelijkheden kunnen jij in jouw lichaam zijn? Om uit controle, uit definitie, uit beperking, uit vorm, structuur en significantie en uit lineariteit en concentriciteit te zijn voor alle eeuwigheid. Have you, like, how many of you have already experienced that money isn't linear? Combien d'entre vous, vous avez déjà eu l'expérience que l'argent n'est pas linéaire? Hoeveel van jullie hebben al gemerkt dat geld niet linéair is? And how many of you keep thinking that if you make it linear, it's gonna work one day, hopefully? Ik kom hier
autre, vous, vous continuez à penser que si tu le rends linéaire assez, tu vas finalement, ça va quand même marcher. Dus van jullie blijven toch ergens denken, ook al weet je dat geld niet lineair is, dat het toch ergens een juiste lineariteit moet zijn. Right, wrong, good, bad, pok, pot, on, ancient, wait a minute. This clearing is really great. Ce déblayage est vraiment génial. Deze clearing is echt gaaf. Wherever you're doing linearity or control, n'importe où tu fais la linéarité ou le contrôle, or where you try to put something in a form or a structure, où tu essayes de rendre quelque chose dans une forme ou structure, waar je ook iets probeert, zeg maar, in een vorm of structure te doen. To actually start opening up to more possibilities. Pour commencer à ouvrir à plus de possibilités. Zodat je begint te openen naar meer mogelijkheden. It's not that control is bad. C'est pas que le contrôle est mauvais. Control is niet per se slecht. But how much do we often limit possibilities? Mais combien est-ce qu'on limite les possibilités? Hoeveel beperk je de mogelijkheden ermee? So let's do 3 more cycles. Encore 3 cycles. What energy, space, consciousness, choice, magic, miracles, mysteries, possibilities can me, my body be to be out of control, out of definition, out of limitation, out of form, structure, significance, out of linearity, and out of concentricity for all eternity, just as money. Quelle énergie, espace, conscience et choix, magie, miracle, mystère et possibilité est-ce que moi et mon corps peuvent être pour être hors contrôle, hors définition, hors limitation, hors forme, structure et signification, hors linéarité et concentricité, comme l'argent pour toute éternité? Welke energie, ruimte, bewustzijn en keuze, magie, mysterie, miracles en mogelijkheden kunnen jij in je lichaam zijn om uit controle, uit definitie, uit beperking, uit vorm, structuur en significantie en uit lineariteit en concentriciteit te zijn voor alle eeuwigheid, net als geld? 2 more? What energy, space, consciousness, choice, magic, miracles, mysteries and possibilities can you and your body be to be out of control, out of definition, out of limitation, out of form, structure, significance and out of linearity and concentricity for all eternity, just as money? Donc, quelle énergie, espace, conscience et choix, magie, mystère, miracle et possibilité est-ce que toi et ton corps peuvent être pour être hors contrôle, hors définition, hors limitation, hors forme, structure et signification, hors linéarité et concentricité pour toute éternité, comme l'argent? Welke energie, ruimte, bewustzijn en keuze, magie, mysterie, miracles en mogelijkheden kunnen jij in je lichaam zijn om uit controle, uit definitie, uit beperking, uit vorm, structuur en significantie en uit lineariteit en concentriciteit te zijn voor alle eeuwigheid, net als geld? And the 3rd-tier cycle! What energy, space, consciousness, choice, magic, miracles, mysteries, possibilities can you and your body be to be out of control, out of definition, out of limitation, out of form, structure, significance, out of linearity, out of concentricity? For all eternity, just as money. Quelle énergie, espace, conscience et choix, magie, mystère, miracle et possibilité est-ce que toi et ton corps pour être hors contrôle, hors définition, hors limitation, hors forme, structure et signification, hors linéarité et concentricité pour toute éternité? Welke energie, ruimte, bewustzijn, keuze, magie, mysterie, miracles en mogelijkheden kunnen jij in je lichaam zijn om uit controle, uit definitie, uit beperking, uit vorm, structuur en significantie en uit lineariteit te zijn in concentriciteit voor alle eeuwigheid, net als geld? Right, wrong, or bad, but on truth, boys and me. So we're going to do these clearings every single day, 31 days. On va faire ce déblayage tous les jours, 31 jours. We gaan deze clearing elke dag doen, 31 dagen. It has changed a lot of things for the last 2 groups we've done it with. Ça a changé beaucoup pour les derniers 2 groupes avec qui on l'a fait. Het heeft heel veel veranderd voor de mensen met wie ik het gedaan heb in de laatste 2 groepen. Some started creating a lot more money. Il y a des gens qui ont commencé à créer beaucoup plus d'argent. Sommigen zijn meer geld beginnen creëren. Some just started becoming more happy. Il y en a qui sont devenus plus heureux. Sommigen werden gewoon meer gelukkig. Also, a lot of people that started creating more gifting, like they started receiving more stuff. Il y a beaucoup de gens qui ont créé plein de choses qu'ils ont plus reçues. Dus die meer zijn beginnen ontvangen. And so, if you start seeing that stuff shifts in your universe, quand tu commences à voir qu'il y a des choses qui changent dans ton univers, als je begint te zien dat dingen beginnen te veranderen in je universe, but it's not necessarily creating cash, mais ça crée pas du cash, maar het creëert geen cash. And you would like cash, et tu veux plus de cash, et je wil meer cash, start acknowledging what is changing. Commence à reconnaître ce qui change. Dus erken wat verandert and start asking what will it take to also have more cash coming in. Et commence à demander aussi qu'est-ce qu'il faudra aussi pour qu'il y ait plus de cash qui se montre dans ma vie. Dus wat zal het ook vergen dat er meer cash geld verschijnt in mijn leven? Ja. Yeah. So you work from the acknowledgement of what you create.
Donc, tu commences à créer de la reconnaissance de ce que tu crées. Je begint te creëren vanaf de erkenning van wat je creëert. En niet vanaf, it's not showing up. Et pas de ça, ça montre pas. Oh, de andere. Ja, sorry, Sanne Eva. Yes, sorry, Sanne Eva. Pardon, Sanne Eva. I forgot the magic mysteries and miracles. J'ai oublié les magiques mystères dans le français. I will change that for tomorrow. Demain, il y aura le bon. Tomorrow, there's the good one. We got a Dutch person who is like, I would like to say it in French too. Let's go to the last clearing. We're not done yet. On n'est pas encore, on n'a pas encore fini. Encore un plus. Here we go. The last clearing 30 times for today. Le dernier déblayage aujourd'hui, 30 fois. The last clearing. So what must you also perceive, know, be, and receive that would allow your business, your life, and you to grow with ease? Oh, merci, 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 Jocelyne. Thank you, Jocelyne. I'm going to copy this first so I don't... Yes, here. Merci. So, qu'est-ce que tu dois aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui nous permettrait, qui te permettrait à ton business, ta vie et toi de grandir avec aisance? So, I also say it in the you form, I try to. Moi, je le dis aussi dans la forme de toi. Ik zeg het ook in de jij form. So, if you read it, it will be me form. Donc, si tu le lis, tu vas le faire pour toi dans le moi. Ja, als je het voor jou leest. You can also do it for me. Tu peux aussi le faire pour moi. So, we'll do it for each other. Dus wat moet ik ook waarnemen, weten, zijn en ontvangen? Waardoor mijn bedrijf, mijn leven en ik met gemak kunnen groeien. So what must I also perceive, know, be, and receive that would allow your business, your life, and you to grow with ease? Que dois-tu aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui te permettrait à ton business, ta vie et toi de grandir avec aisance? Dus wat moet jij ook waarnemen, weten, zijn en ontvangen waardoor jouw bedrijf, jouw leven en jou met gemak kunnen groeien? And this might sometimes bring up a lot of like these crazy conclusions hanging in your universe that you're not even aware of. Et ça, parfois, ça peut faire remonter des trucs qui sont dingues, qui pendent dans un univers que tu n'es même pas conscient de. Dus dat kan dingen omhoog brengen die in jouw universum hangen, waar je niet eens bewust van bent, die gek zijn. For example, if you've been, like, if you come from a linear line where women are not supposed to work. Par exemple, si toi, tu viens d'une ligne où les femmes ne sont pas supposées de travailler. Bijvoorbeeld, als jij vanuit een lijn komt waar vrouwen niet verondersteld worden te werken. And you have the definition, you can only get money through work. Et toi, tu as la définition que tu peux que recevoir l'argent à travers le travail. Jij hebt ergens het standpunt dat je alleen maar geld kan ontvangen door te werken. How much are those two points of views never ever going to be able to work in the same universe? Combien est-ce que ces deux points de vue vont jamais pouvoir être dans le même univers? Dus hoeveel kunnen deze twee standpunten niet samen zijn? So what must you also perceive, know, be, receive that would allow your business, your life, and you to grow with ease? Que dois-tu aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui te permettrait à ton business, ta vie et toi de grandir avec aisance? Wat moet ik ook waarnemen, weten, zijn en ontvangen? Oh, waardoor je business, je leven en jou kan groeien met gemak. Yassadara, j'adore ton énergie. Yassadara, ik hou van je energie, c'est génial. Ik voel me helemaal joyeux. Ja, merci. Ja, ik voel me helemaal blij. I'm totally feeling joyful. Thank you. So what must I also perceive, know, be and receive that would allow... Oh, no, we have to do the French. Que dois-tu aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui te permettrait à ton business, ta vie et toi de grandir avec aisance? En wat moet je ook waarnemen, weten, zijn en ontvangen waardoor jouw bedrijf, jouw leven en jou kunnen groeien met gemak? So what must I also perceive, know, be and receive that would allow my business, my life and me to grow with ease? Que dois-tu aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui permettrait à ton business, ta vie et toi de grandir avec aisance? Wat moet je ook waarnemen, weten, zijn en ontvangen dat jouw business, jouw leven en jou met gemak zal doen groeien? And maybe that is that you never acknowledge yourself. Peut-être que c'est que tu te reconnais jamais. Misschien is dat dat je jezelf nooit herkent.
That if you would start acknowledging yourself and your creations, je ziet je commencerait à reconnaître toi-même et tes créations, dat als je jezelf en je creaties zou beginnen erkennen, everything can grow. Les choses peuvent grandir. Like, how many of you keep thinking that you don't create enough? Combien d'entre vous, vous continuez à penser que vous ne créez pas assez? Hoeveel van jullie denken constant maar dat je niet genoeg creëert, but you never actually acknowledge what you already create. Mais tu reconnais jamais ce que tu crées déjà. Maar je erkent nooit wat je al creëert. So what must you also perceive, know, be and receive that would allow your business, your life and you to grow with ease? You're included. You're included. How many of you have been excluding yourself for money? Donc, que dois-tu aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui permettrait à ton business, ta vie et toi de grandir avec aisance? Tu es inclus ici. Combien d'entre vous vous avez exclu dans la faveur d'argent? Donc, dans ce déblayage, tu t'inclus toi. Dus wat moet je ook waarnemen, weten, zijn en ontvangen, waardoor jouw bedrijf, jouw leven en jou met gemak kunnen groeien? En zie je dat jij daar ook inclusief bent. Dus je gaat jou ook includeren in je leven. Hoeveel van jullie hebben je eigenlijk geëxcludeerd als het over geld gaat? So, 15 more. Encore kaas. Nog 15. What must you also perceive, know, be and receive that would allow your business, your life and you to grow with ease? Que dois-tu aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui te permettrait à ton business, ta vie et toi te grandir avec aisance? En wat moet je ook waarnemen, weten, zijn en ontvangen, waardoor jouw bedrijf, jouw leven en jou met gemak kunnen groeien? So what must you also perceive, know, be and receive that would allow your business, your life and you to grow with ease? Que dois-tu aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui te permettrait à ton business, ta vie et toi de grandir avec aisance? Wat moet je ook waarnemen, weten, zijn en ontvangen, waardoor jouw bedrijf, jouw leven en jou met gemak kunnen groeien? What must you also perceive, know, be and receive that would allow your business, your life and you to grow with ease? Que dois-tu aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui te permettrait à ton business, ta vie et toi de grandir avec aisance? Wat moet je ook waarnemen, weten, zijn en ontvangen, waardoor jouw bedrijf, jouw leven en jou met gemak kunnen groeien? So what must you also perceive, know, be and receive that would allow your business, your life and you to grow with ease? Que dois-tu aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui te permettrait à ton business, ta vie et toi de grandir avec aisance? En wat moet je ook waarnemen, weten, zijn en ontvangen, waardoor jouw bedrijf, jouw leven en jou met gemak kunnen groeien? And the last cycle. So what must you also perceive, know, be and receive that would allow your business, your life and you to grow with ease? Que dois-tu aussi percevoir, savoir, être et recevoir qui permettrait à ton business, ta vie et toi de grandir avec aisance? En wat moet je ook waarnemen, weten, zijn en ontvangen, waardoor jouw bedrijf, jouw leven en jou met gemak kunnen groeien? Ride, wrong, good, bad, pop, bottle, insurance, poison, beyond. I'm just going to give one more example. Je vais juste donner encore un exemple. Ik ga nog één voorbeeld geven. One thing might be if you'd start asking yourself, is money easy for me? Est-ce que l'argent est aisance pour moi? Is geld gemakkelijk voor mij? And that would actually be light. Et ça serait léger. And that is licht. And you keep creating like things that aren't easy with money. Et toi, tu continues à créer des choses qui ne sont pas faciles avec l'argent. Et jij blijft dingen creëren die niet makkelijk zijn met geld. How much are you actually driving yourself away from what's real and true for you? Combien est-ce que tu continues à te écarter en fait, de ce qui est vrai et réel pour toi? Dus hoeveel probeer je je weg te sturen van wat er echt en waar is voor jou? Right, wrong, good, bad, pop, bottle, nine, shorts, boys and beyond. How is everybody? Comment est-ce que vous allez? Hoe gaan jullie? Sleepy? Good. Start asking your body, demandez votre corps, vraag jullie lichaam, what it requires during these 31 days, pendant ces 31 jours, tijdens deze 31 dagen, good, maybe. Yeah. It's pretty a lot of
like energy releasing. Je hebt beaucoup d'énergie qui se lâche. Er is veel energie die losgaat. So, what else is possible? Wat is très possible? I will be here every day at 9. Moi, je vais être ici tous les jours à 9h. Ik zal hier zijn elke dag om 9 uur. If you have questions, si tu as des questions, or you want to share something, ou tu veux partager quelque chose, dus als je vragen hebt of je wil iets delen, do it in the group. Fais-le dans le groupe. And tag me as well. Tag moi. Dus tag mij ook. Otherwise, I will probably not see it. Parce que sinon, probablement, je vais pas le voir. Anders ga ik het waarschijnlijk niet zien. Oké? Okay? And then I can also address it in the next call. Parce que là, je peux l'adresser aussi dans le prochain call. But you will also contribute to everybody. But tu vas aussi contribuer à tout le monde dans le groupe. Yes? So in your email, you should have received a link to the group. Dans le mail, tu devrais avoir reçu un mail vers le groupe. And also a box links to the recordings. Et aussi un lien box vers les enregistrements. Dus in de mail die je hebt gekregen, zou een link naar een Facebookgroep moeten zitten. En ook een naar de box, waar alle opnames tegen de avond altijd in zitten. Yes? Oui? I see most of you maybe tomorrow. Je vous vois demain. Tot morgen. Have an awesome day. Cheers! Bye!